J'habite depuis 90 ici. Donc j'entre dans la 17e année. Et l'association a 18 ans. Okay. Elle a été déclarée en 89. Et elle existait évidemment avant d'être déclarée. Parce que tu ne décides pas de. Tu peux aller déclarer une association, moi, tiens. Donc ça mûrit, quoi. Et la découverte. Enfin, là, le jour où j'ai. Donc ma vie a basculé, c'était en février 88, le jour où on m'a montré la rue. C'est là que ça. C'est là que tout a. Ouais. C'est-à-dire que j'ai changé de vie totalement. À un moment donné, je l'ai connu. Et à partir du moment où je l'ai connu, je savais que j'allais m'investir dans cette rue. La première minute où je suis arrivée ici, je me suis dit, un jour, j'habiterai cette rue. Il n'y a pas à chier. Voilà, c'est une évidence, quoi. Maintenant, c'était un dépotoir, c'était plein de trucs comme ça. Et puis, il fallait savoir pourquoi elle était dans cet état-là. Quel était son destin. Et donc, très vite, j'ai appris qu'elle était... à la démolition. Ah que non, que je me suis dit comme ça, qu'elle va pas être démolie quand même, ce petit bout de... C'était très différent d'aujourd'hui quand même, mais ça, c'était... Le charme était là, quoi. Le charme de la rue était là. L'idée, en fait, quand... D'abord, c'était venir rue Saint-Malo, donc ça, à un moment, ça s'est fait, mais c'était la rue, quoi. L'idée du quartier n'était pas encore... très présente parce que c'était l'inconnu, je ne connaissais pas du tout moi, ce quartier, je m'implantais dans la maison, j'étais toute seule au début, et c'était la rue, sauver la rue, enfin c'était très la rue quoi, mais c'est petit à petit que j'ai découvert, parce que d'abord il y a eu une, ça s'est très mal passé, l'installation de vivre la rue ici, il y a eu une levée de bouclier comme on dit, tu sais, avec des guillemets et tout, quand on est arrivé là, mais ça c'est classique, hein, quand il y a des gens qui s'installent dans un lieu, il y a toujours la peur, quoi, qui sait, l'inconnu. Il a fallu prendre conscience du quartier, et puis là maintenant, après une implantation longue et tout ça, ça fait déjà un bon bout de temps, que la valorisation du quartier fait partie intégrante de ce que fait vivre la rue, quoi. C'est pas par hasard aussi que c'est dans ce quartier-là, quoi. Donc il faut... moi, je suis vachement contente maintenant que la moitié du conseil d'administration de Vivre la Rue, ce soit des gens du quartier, des gens très proches d'être là, absolument inconnus avant d'arriver. Donc c'est une victoire aussi. Dire que ça intéresse les proches. C'est pas... Alors qu'avant, ils nous voyaient comme des gens qui allaient forcément faire du bruit et créer des problèmes. Et ça, c'est bien. Ils sont contents, ils viennent au fait, ils sont fiers de voir que leur quartier attire tant de gens de partout. Ben justement, quand on est arrivé, que certaines personnes du quartier, mais quand même une assez grande majorité, pensaient qu'on était... qu'on allait en faire un camp retranché en fait de la rue. Ils nous voyaient pas dans le quartier, ils nous voyaient enfin à côté et puis dans quelque chose où eux n'entraient pas, quoi. Et donc moi j'ai rencontré assez vite Mado Kadek et elle pas du tout, quoi. Elle n'était pas comme les autres du quartier. Elle m'a tout de suite fait des grands sourires. On a discuté. Il y a quelque chose qui s'est installé de et qui existe encore, c'est-à-dire une grande sympathie. Moi, j'ai beaucoup de respect pour cette dame qui arrive à parler des grands malheurs qu'elle a eus avec autant de pudeur et de gentillesse et de sourire, et pour pas que les autres souffrent de ce qu'elle a souffert. Enfin, voilà, c'est une grande dame, je trouve, cette scène Mado Kadek. C'est quelqu'un de vraiment très bien. Hein. Enfin, c'est une personne rare, quoi. Voilà, et moi je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'estime pour elle.